Alléluia. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir ou bonjour, ça dépend qui côté ou écouter. Ou branché dans édition Hébreux 13:8 que ou gen habitude tendez. Yon édition qui éclairé ou qui illuminé yeux spirituels ou. Le moment est venu de nous aller ensemble dans la parole de Dieu. Une parole bénie, une parole qui restaure l'âme. C'est pour la raison pour laquelle nous pas jamais manquer édition ça. Restez branchés et nous voulons bénir. Ou qu'on a déjà, non, c'est frère David Sirai qui prêt et disposé, et très disponible pour permettre édition ça rentrer la caille. Nous saluons tout un chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le plus grand nom de l'humanité. Alléluia. Restez branchés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soya, nous pral découvrir en pile expression de la Bible. Qui t'a porté à la confusion. Nous t'a remis que confusion ça y disparaît. De pour disposer pour yo aller bien loin justement pour nous capables acquérir la réalité de la parole. Gain trois expressions de la Bible. Trois expressions que nous habitués tendez. Et gen connaissance de yo. Yon nan expression an, c'est l'expression Satan. Et l'autre expression an, c'est l'expression diable. Et troisième expression, c'est démon. La raison pour laquelle, notamment, que nous voulons totalement aider à comprendre, illuminer, penser au concernant expression sayo qui baille en pile difficulté, qui râle derrière yo l'autre expression de la Bible. Mais yon texte, m'pa jam blye pou m'pa annonce ou li. C'est Jean chapitre 4, verset 24. N'oubliez jamais que Dieu est esprit. Voyez, Dieu est esprit.
Dieu pas moun. Dieu t'est venu comme moun, mais pas moun. Donc, moi j'ai mette dans l'esprit où que Dieu qui n'a parlé là, nous pas approcher comme moun. Yon moun même gens avec eux. Mais pour n'approcher lui, n'a approcher lui comme un esprit. Et pas de l'autre bagaille, l'autre moyen pour nous approcher nous-mêmes, c'est pour nous devenir esprit totalement pour nous approcher. Nous prenons l'avancée. Puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, automatiquement, leur approcher la parole de Dieu, approcher en esprit et en vérité. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous pourrons commencer. Et m'tarem on suivre attentivement. Rete béni et prends bibou et avance avec nous. Dans les textes originaux, tels que hébreu et grec, il est clair, selon la parole de Dieu, que le mot Satan ne désigne pas un ange individuel. En lequel est incorporée l'idée du mal. Mais un adversaire qui s'oppose au principe du bien ou du mal. Cette règle d'interprétation est inviolable. Lorsque le mot Satan est employé avec le mot ange qui signifie messager, il désigne toujours un groupe ou un individuel qui apporte un message ou un enseignement hostile à la vérité. Ou bien qui s'oppose aux enfants des dieux. Maintenant, l'origine de Satan nous connaissons déjà les personnifications de Satan comme Caïn, comme Nimrod et la dynastie des rois babyloniens, celle des rois de Tyr, celle des rois d'Hérode, les empereurs romains, la papauté,
C'est ça yo que la Bible désignait comme Satan. Nous prend les grands qui occupaient de grands postes qui ont pouvoir, autorité sur les humains. Mais ces personnifications ne sont que les manifestations secondaires d'une cause primaire. Ça veut dire les habitudes, les attitudes, bien ou mal. Ils nous apportent ou bien il nous importe donc de pénétrer dans l'essence même de la source première. La révélation de l'Apocalypse qui décrit l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Nous joignons toute expression yo dans Apocalypse 12, verset 9, qui gagne une importance capitale pour expliquer les expressions qu'on appelle Satan, diable, démon et tout ça qui découlait de ces expressions. Chaque nom qui désigne l'ennemi a sa signification spéciale qui correspond d'une manière collective avec tous les autres et reflète les différents aspects du même esprit. Quand on parle de Satan, diable, le grand dragon, le serpent ancien, on veut parler d'un aspect de même esprit. Maintenant, nous allons définir quelques expressions. Le mot dragon qui signifie l'illuminé. Illuminé, qui signifie le brillant, qui s'applique dans le sens secondaire au souverain d'une nation. Nous sommes expliqués tout à l'heure, nous prenons tel que Caïn, Nimrod, les rois et babyloniens. Nous prenons les rois de Tyr, nous prenons les rois d'Hérode, nous prenons les empereurs romains, nous prenons la papauté, etc. Maintenant, on nous garde qui ça grec l'a dit pour l'expression dragon. Dragon signifie Dracon en grec D-R-A-K-O-N. Dracon. Ce mot vient de Derko. D-E-R-K-O. Qui signifie voir clair. Voici la signification du mot dragon. Voir clair, qui signifie être éclairé, jeter l'éclat, briller. Même mot ça, qui c'est le mot dragon, lui relié à celui de serpent. Que nous allons joindre le serpent ancien, nous allons joindre des expressions comme ça.
qui signifie l'ennemi qui tenta Ève dans le jardin d'Éden. En grec, le mot serpent signifie orphis. O-P-H-I-S. Orphis. Selon yon dictionnaire, grec, yon lexique qui relie Moussa en grec comme ophtalmos. O-P-H-T-H-A-L-M-O-S. D'après dictionnaire grec-français, ophtalmos, qui dérive de serpent, signifie être considéré, qui signifie estimer ou admirer. Figurativement, ce même mot signifie, le mot serpent signifie brillant, lumière, flambeau, l'esprit, l'intelligence, le raisonnement. Le serpent qui tenta Ève n'est pas donc un ange. Ce n'était pas un ange, comme tout le monde le pense, mais l'esprit ou l'intelligence ou bien le raisonnement subtil en l'être humain. Ceci correspond exactement avec la signification de serpent en hébreu que relé Nakash, N-A-C-H-A-S, qui est pour définition enchantement, émerveillement, charme, ravissement, qui captive le cœur ou la conscience, séduire par des paroles rusées, raisonner d'une manière subtile, admirer, être infatué de sa propre personne. Ça veut dire séduit par sa propre personne. Il n'y a aucun doute que nous retrouvons tous ces éléments dans Genèse chapitre 3 verset 16. Où nous voyons que le serpent représente l'admiration et l'enchantement de l'esprit de l'homme avec la chair et devint ainsi l'esprit adversaire de l'esprit de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, versets 6 et 7. Or, l'affection de la chair est la mort. Mais l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié, l'affection de la chair
est adversaire contre Dieu. Car elle ne se rend point sujette à la loi de Dieu. Aussi ne le peut-elle point. Galates 5, 17, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées ou bien adversaires l'une à l'autre, tel que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Voyez, n'a fermé vidéo à sous partie ça et n'a retourné beaucoup plus rapide pour nous continuer sujet. Nous voulons porter un sujet barou, un sujet original et pour comprendre. À bon entendeur, salut. Merci.